Hey Paul, allez les derniers. Je peux m'asseoir à côté de toi? On s'installe et on sort ouais, ses si affaires. Tu veux. Qu'est-ce que t'écris? Dans les copies. En fait, s'il y a bien une petite dizaine d'entre vous qui semblent au point sur le commentaire, le reste de la classe est arrivé à se reprendre avant l'épreuve de français qui approche. Bon, venons-en aux faits précis. Vous n'avez pas oublié qu'il s'agissait d'un extrait des confessions de notre cher Jean-Jacques. Je ne m'intéresse pas. Comme vous avez envie de parler, monsieur Dumont, vous allez passer au tableau et nous lire le texte que vous avez choisi. Allez-y, monsieur Dumont, on n'a pas tout l'après-midi. Bon, quel texte avez-vous choisi? En sourdine de Paul Verlaine. Silence! Calme dans le demi-jour que les branches hautes font, pénétrons bien notre amour de ce silence profond. Fondons nos âmes, nos cœurs et nos sens extasiés parmi les vagues langueurs des pins et des argousiers. Ferme tes yeux à demi, croise tes bras sur ton sein, et de ton cœur endormi, chasse à jamais tout dessein. Laissons-nous persuader au souffle berceur et doux qui vient à tes pieds rider les ondes de gazon roux. Et quand, solennel, le soir des chênes noirs tombera, voix de notre désespoir, le rossignol chantera. Eh mais c'était un poème de tapette. Ferme-la, gros con. Eh mais toi, mais vas-y, mais ferme ta gueule, là. T'as bien le cœur. Vous sortez prendre l'air tout de suite. Guillaume Petit, effrayez-vous. Monsieur Dumont, retournez à votre place. Bon, reprenons le cours. Ah, bravo ma petite fiotte, très émouvant ton petit poème, il m'a mis la larme à l'œil, dis-toi. Merci, fais pas attention à ce con. Le poème que t'as choisi était vraiment émouvant. Merci. Les autres sont stupides, hein. Il était très beau, ton poème. Tu viens à la soirée, Sandra? Oui, bien sûr. Je suis désolée, faut que j'y aille. Ben, on se voit ce soir? Ouais, ce soir. Ok, ce soir. Tu lui plais? Je plais à personne. Allez, arrête de jouer ton calimero. Tu viens à la soirée, j'espère? Je sais pas, faut que je travaille. Ben, vendredi soir. Bon écoute, tu passes chez moi vers 20h30, on ira ensemble à la soirée, d'accord? Ouais. Allez, viens. Vol à table! Vol à table! J'arrive! Paul va avoir des filles ce soir. Amandine, arrête d'ennuyer ton frère. Tu sors ce soir, Paul? Oui, j'ai un ami au lycée qui organise une soirée. Tu sais, je préférais que tu te concentres sur ton travail.
La fille, tu as le temps d'y penser plus tard. C'est de son âge. Faut bien que je laisse ce passe. À quelle heure tu y vas? J'ai rendez-vous à 8h30 avec Damien. Damien? C'est un garçon très charmant. Je pense qu'il a beaucoup de succès auprès des filles. Je t'autorise à aller cette soirée. Mais je veux que tu sois revenu avant minuit. Ouais, ok, merci papa. Bon appétit. Je devrais pas mettre autant de sel. Le médecin dit que c'est mauvais pour toi. C'est toi qui m'en malade. J'ai vraiment l'impression de parler à un mur. Hein. C'est où ta soirée, Damien? Chez Antoine. Il y a ses parents qui sont pas là. Cette décision est considérée par le secrétaire général de Reporters sans frontières comme une atteinte à la liberté de la presse. Papa? En direct de Bagdad, ouais. Jean-Marie Le Petit. Merci Jean-Marie. Je tiens à tu sais, il y a Paul qui va en littéraire l'année prochaine. Et je crois avoir été clair avec toi là-dessus, Damien. Plusieurs dizaines d'associations, partis politiques et syndicats. Tu vois, c'est la voix scientifique qu'il te faut. C'est ça ton avenir. Littéraire. Ça sert à rien, c'est pour les gonzesses. Si, il y a des filles, j'y vais. Paris toujours, le maire socialiste Bertrand Delanoë a été poignardé par un homme d'une quarantaine d'années dans la nuit de samedi à dimanche à l'hôtel de ville. Tiens, vous connaissez le point commun entre Bertrand Delanoë et l'embrayage d'une voiture? Affirmé dimanche lors de sa garde à vue. C'est la pédale de gauche. T'es qu'un gros con. Ne me parle jamais comme ça! Va dans ta chambre! Et ne coûte pas sortir ce soir! Je ne veux pas que tu me frappes! Bon bah tu vas pas t'y mettre non plus! Quand c'est pas les gosses, c'est bon! Mais vous arrêtez pas d'emmerder avec un politique au soir! Ton fils, il fera les études que je lui ai dit, c'est tout! Je veux pas qu'on perde nous voir. Viens, on se casse. Antoine! Ça va? Ça va et toi? Ouais, c'est ton soir. Regarde, elle est seule. C'est le moment. Vas-y. Je sais pas. Écoute, si tu fais rien, tu vas le regretter après. Tiens. Ça te donnera du courage. Thank you.
Et ton père qui est là? En pyjama, toi, tu t'es pas lavé. C'est pas ma faute, c'est Damien, il est resté enfermé dans la salle de bain toute la matinée. Bah, qu'est-ce qu'il peut bien foutre? Il s'est endormi dans son bain ou quoi? Mais il avait peut-être besoin de se détendre. Marc, il est allé un peu fort hier soir. Damien? Damien, sors de ton bain. On va bientôt manger. Damien! Arrête de faire le con, allez, sors! Damien! 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 Damien!